soir, la grande famille de la Star Academy rend hommage à un petit ange qui nous a quittés il y a seulement quelques mois. Ce soir, tous ses amis artistes vont chanter en son honneur. Ce soir, pas d'élimination, pas de compétition. Ce soir, le maître mot, c'est la solidarité. Parce que le combat contre la mucoviscidose doit continuer. Grégory nous a montré le chemin du courage, de la détermination et de l'espoir. Tu es dans notre cœur, Greg. L'espérance, je vais parfois en contre-sens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs, et très souvent. Je me relève sous ton regard. J'ai fait des rêves et tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. J'ai fait le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, tu prends la main. Je crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, le poids du sang et des souffrances collées au corps. De temps en temps, je prends des coups dans le dos, des conneries, des jeux de mots. De temps en temps, je regrette l'innocence de t'avoir dans notre enfance. De temps en temps, je veux la paix. Moi, je n'ai plus de respect. Et très souvent, je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je pense. J'ai pas l'honneur de t'être fort. Au fond, ce que j'attends, c'est voir le bout de nos efforts. Que l'amour soit là encore. Je me remets ton regard. Je fais des rêves, tout va bien. Je me bouscule, je tends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Superbe chanson d'amour, chanson d'espoir écrite par Grégory Lemarchal, qui prend ce soir une toute autre dimension particulière. En cette fin d'année 2007, chargée d'émotions. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Ce soir, des artistes au grand cœur se joignent aux étudiants de la Star Academy pour un message d'espoir. Nolwenn Leroy.
Gérard Lenormand. Patrick Fiori. Hélène Segarra. Julie Zenati. Emmanuel Moire. Davide Esposito. Tous unis sur scène pour rendre hommage à l'artiste unique qui était Grégory Lemarchal. Tous unis sur scène pour vaincre la mucoviscidose. Un combat que Grégory n'a pas perdu et qui n'est pas perdu, puisqu'il nous réunit tous ce soir pour continuer la bataille, pour tous ceux qui espèrent trouver la voie de la guérison. Tout au long de la soirée, nous allons faire appel à votre générosité, mesdames et messieurs. Tous les fonds récoltés durant cette émission seront entièrement reversés à l'association Grégory Lemarchal. 3280, c'est le numéro de téléphone pour vos promesses de dons, ou bien par internet sur notre site, en particulier pour la Suisse et la Belgique. Ce soir, le 3280, c'est plus qu'un symbole. C'est un devoir moral et éthique pour Grégory et pour tous ceux qui sont vivants et qui se battent. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Chers amis artistes, prenez place. Vous êtes à la maison. Les maîtres mots de cette émission sont bien évidemment sensibilisation, solidarité. Comment venir à bout de la mucoviscidose? Avec des sous, on va pas se mentir, avec des moyens en faveur de la recherche. Et c'est pour cette raison que l'association Grégory Lemarchal a été créée par la famille Lemarchal, qui est avec nous ce soir, qu'on voit rarement à la télévision, et que je vous demande d'accueillir. Bonsoir Pierre, bonsoir Laurence, bonsoir Leslie, bonsoir Karine. Il est là Grégory. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Nikos. Bienvenue Pierre. Je crois que je sens une énergie incroyable ce soir, mais depuis quelques temps déjà. Et on voulait remercier d'ores et déjà TF1 en démol pour l'organisation de cette soirée. Vous remercier tous, vous ici présents, et puis aussi ceux, bien sûr, qui sont devant leur téléviseur. J'ai tellement de monde à remercier que finalement ça va être très court. Les gens savent à qui je peux m'adresser, à qui on peut s'adresser. Je voulais juste vous dire que on est dans le combat. On a voulu une émission divertissante ce soir. En tous les cas, c'est ce qu'on a voulu. On ne veut pas, surtout pas pleurer. Parce que je pense que, Nikos, je voudrais pas te mettre la pression, mais je pense, Grégory, il est là. Il est bien là. Et, on le sent tous. Il va vouloir qu'on s'amuse ce soir. Et en même temps, pour se battre pour tous ces jeunes qui souffrent de la mucoviscidose. Et, c'est très important cette soirée ce soir. On a besoin de vous, public, vous, téléspectateurs, tous ceux, tous les gens qui souffrent de la mucoviscidose, pour eux, pour leur famille. On va faire de grandes choses avec cette association et d'autres. Et je voudrais que vous en soyez tous conscients et conscientes. 3280, mesdames et messieurs, le numéro de téléphone. Je voudrais vous remercier du fond du cœur d'être là. C'est difficile pour vous, mais votre force, votre dignité, votre pudeur font toute la différence depuis le début. On en a vécu des choses avec Grégory hein, sur ce plateau. C'était pas le même, mais quand même, il y avait les mêmes collaborateurs, les mêmes caméras, la même ambiance. Et vous, téléspectateurs, il y a trois ans, presque jour pour jour, Grégory prenait sa revanche sur la vie. Grégory est habité d'un feu sacré qui l'a mené jusqu'à la victoire. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy 4.
Academy, à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs. La pression est énorme. C'est le grand stress. On va essayer de donner les meilleurs de nous-mêmes ce soir. On a tellement rêvé de ce moment, je me demande même si j'y avais pensé un jour. En quelque sorte, on a peut-être un rendez-vous un peu avec le destin. Nous allons maintenant revivre un moment d'intensité rarement atteint sur un plateau de télévision. Cette chanson a peut-être été le déclic, la clé de la victoire à la Starac pour Greg. Il s'agit de l'interprétation magistrale d'un grand titre de Gilbert Bécaud. Et maintenant, la chanson de la victoire de Grégory Lemarchal lors de la finale de la Star Academy. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, Paris, Paris crève d'ennui. Toutes ces rues. Que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir,
je verrai bien la fin du chemin. Et pas une fleur, pas de fleur au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Ce n'est vraiment plus rien à faire. Ce n'est vraiment plus rien. La revanche de Grégory sur la vie. Mathieu Gonnet, c'est vous qui dirigiez magistralement. On a eu l'impression qu'à un moment, Grégory est devenu un avec l'orchestre, qu'il est parti. Il faisait partie intégrante de l'orchestre. Avec tous mes amis musiciens, on a vécu à ce moment-là un moment unique. Et ça rejoint complètement la première fois que j'ai rencontré Grégory, pardon. Pour la première émission, il y avait tous les candidats et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un de malade. Et quand on m'a dit qu'il y en avait un qui était malade, je n'ai pas vu lequel en quelques jours de répétition. Et Grégory, en tournée, sur plateau, personne n'a jamais vu un garçon malade. Tout le monde a vu un artiste. Et c'est ça le message qu'il nous laisse aujourd'hui, c'est l'espoir et le talent. Et la dignité. Il n'en parlait pas en coulisses, tout le monde le savait. Mais il inspirait l'admiration, le respect. Tout à l'heure, nous revivrons notamment SOS d'Atterria en détresse de Daniel Balavoine qui l'avait interprété sur le plateau de la Starac. 3280, mesdames et messieurs, c'est le numéro de téléphone pour vos dons ce soir, pour que le rêve de ceux qui espèrent vivre encore plus longtemps et guérir devienne réalité. Et ensemble, nous pouvons y arriver. Notre site internet www.tf1.fr. Grégory a marqué tous ceux qui l'ont croisé, son statut d'artiste et de chanteur reconnu et apprécié tant du public que de ses pairs a été porteur d'un message d'espoir. Avec nous, des gens qui l'ont connu, des gens qui l'ont soutenu. Bonsoir Pascal Nègre. Bonsoir. Passy. Yvan Kassar. Kamel Wally. Raphaël Ricci. Et une petite surprise, Alexia Laroche-Joubert, maman, est avec nous ce soir à titre exceptionnel. Merci d'être là Alex, et félicitations encore une fois. Olivier Autin. Ami, manager de Grégory, vice-président de l'association Grégory Le Marchal. Grégory n'a cessé de chanter et de collaborer avec les artistes de sa sensibilité, de son univers musical. Grand admirateur d'Hélène Ségara. C'est avec Hélène qu'il est monté sur scène la dernière fois. C'était en mars 2007, lors du coup d'envoi de la tournée de la chanteuse. Ce soir, c'est avec Bertrand qu'Hélène Ségara partage l'un de ses plus grands succès, une chanson qu'on adore et qui ce soir prend une toute autre dimension. Hélène, il y a trop de gens qui t'aiment. Parler avec les gens, tu me sembles si légère, même transparente. Je regarde passer les jours, la vie en me disant, je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser. Je ne peux pas t'empêcher d'être
trop de gens qui t'aiment, et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Y'a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je sème, tu ne les entends pas. Je me sens si loin de toi à des moments. Que tu crois que je t'attends. Je me force à espérer, mais je me mens. Alors je te regarde t'éloigner. Y a trop de gens qui t'aiment. Sortirai pas indemne cet amour avec toi. Y'a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Et moi, évidemment, je t'aime à mes dépens. Sortirai pas indemne cet amour avec toi. Y'a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je m'aime chaque jour ce drôle de combat. L'émotion est palpable, je sais que c'est pas facile. Mais, sur scène, on peut envoyer tous les messages d'amour aux gens, à Greg, dire qu'on est là et qu'on résiste et qu'on se bat, Hélène. Mais il est là, il sera toujours là. Moi, si je suis là ce soir, c'est parce qu'il sera toujours dans mon cœur et au-dessus de ma tête et au-dessus de nos têtes à tous. Sur scène avec lui, l'expérience de chanter avec Grégory, c'était quelque chose d'unique, j'imagine. Mais avec un peu d'émotion, c'est difficile de chanter. Et lui, malgré sa maladie, il arrivait à faire ce qui était une prouesse vocale. Et en plus, il était perfectionniste. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la note parfaite, il n'était pas content de lui. Jusqu'au bout, oui, il râlait en plus, il râlait. Hein, Pierre ? Si ce n'était pas parfait, il n'était pas content. C'était son... Il n'y avait pas de souci. Des fois, il n'était pas content, tout le monde était content, il n'y avait que lui qui n'était pas content. C'était assez pénible, d'ailleurs. C'est ça. Il doit se moquer un peu, de temps en temps encore. Bon, Hélène Ségara, vous étiez avec nous le 4 mai pour une émission spéciale hein, dédiée à Grégory quelques jours après sa disparition. Les téléspectateurs ce soir-là, vous avez eu un élan de générosité sans précédent. En une soirée, près de 7 millions ont été récoltés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. On peut faire mieux ce soir. Vous en pensez quoi? On peut faire mieux. Une petite pièce symbolique, mesdames, messieurs, peut faire toute la différence au 3280. www.tf1.fr sur notre site internet. Pour tous ceux qui nous regardent, on reçoit des messages de soutien du Maroc, du Liban, de partout. Bertrand, ce soir, vous êtes avec nous. Alors, comment cet argent a-t-il été concrètement utilisé? Voici la réponse en images. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique. La maladie, elle est le plus parlante au niveau pulmonaire. Au niveau pulmonaire, les sécrétions épaisses et visqueuses vont boucher les bronches du patient, ceci conduisant à ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire. Depuis plus de 40 ans, l'association Vaincre la mucoviscidose lutte contre cette maladie évolutive et mortelle. Jamais elle n'avait connu un élan de solidarité tel que celui qui a suivi le départ de Grégory. Près de 7 millions d'euros récoltés en 2 heures, c'est un record. Ça a amené le grand public à s'adresser à nous pour mieux connaître et mieux savoir ce qu'était vraiment cette fichue maladie.
ça nous a boosté, ça nous a inspiré et ça nous a donné des ailes. La priorité des priorités pour lutter contre la maladie, c'est la recherche. Plus de la moitié des sommes recueillies le 4 mai y est donc consacrée. Ce qu'on fait actuellement là, avec cet argent qui nous est arrivé, c'est d'initier des projets majeurs qui vont permettre d'accélérer les choses. Donc ça va de la thérapie génique jusqu'au traitement des infections dans le cadre de la mucoviscidose. Grâce à la recherche, l'espérance de vie des patients a très nettement augmenté. Mais en moyenne, on meurt toujours de la mucoviscidose à 24 ans. Les soins restent très contraignants. L'argent du 4 mai va aussi servir à les améliorer. Depuis des années, l'association milite pour que le patient soit soigné de plus en plus chez lui. Mais pour être soigné chez lui, il faut du matériel, il faut des infirmières qui interviennent, il faut que les kinés viennent à la maison, et là aussi, il faut de l'argent. Enfin, l'association va redistribuer directement une partie de l'argent aux malades. Car avec la mucoviscidose, il est plus difficile de faire face au quotidien. Ces fonds que nous avons reçus vont nous permettre de les aider, je vous donne un exemple, à acquérir une mutuelle. Puisque, contrairement à ce qu'on croit, tous les soins obligatoires ne sont pas remboursés. Loin de là. Il y a 8 mois, vous avez été des centaines de milliers à donner pour la lutte contre la mucoviscidose. De l'argent, bien sûr, mais pas seulement. Ils nous ont apporté beaucoup de solidarité, beaucoup d'espoir, et du fond du cœur, je leur dis un grand merci. Un grand merci à vous qui téléphonez depuis le début de cette émission. Le standard a explosé. Renouvelez votre appel, s'il vous plaît. Dans quelques instants, insistez. TFA.fr aussi. www.tfa.fr. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour participer ce soir à cette grande cause. Pour Grégory et pour tous les autres qui espèrent en vous. Pierre Lemarchal, l'association Grégory Lemarchal existe depuis le 7 juin. C'est une volonté de Grégory de faire cette association. Vous l'avez respectée. Oui, c'était même pas du respect par rapport à ça, c'était tout à fait naturel chez nous. Mais effectivement, Grégory avait décidé de s'occuper vraiment de la mucoviscidose et d'en parler, contrairement à ce qu'il avait fait jusqu'à présent, enfin jusqu'au mois d'avril. Et je voudrais juste rajouter une chose par rapport à l'émission qui a eu au mois de mai cette année, naturellement, le 4 mai. La somme qui a été récoltée, effectivement, plus de la moitié était pour la recherche, mais le reste c'est pour les soins, c'est pour... Et l'association Vaincre la mucoviscidose fait ça très très bien, avec qui on est en étroite collaboration. Et je suis assez fier de la manière dont a été géré cet argent. Maintenant, l'argent qu'on va récolter ce soir ira à l'association Grégory Lemarchal pour des actions qu'on vous expliquera tout à l'heure sur un autre reportage. Je voulais juste faire un clin d'œil aux gens qui étaient dans le public. Nikos, oui. Il y en a beaucoup qui ont la muco, qu'on a invité, leur famille, et des infirmiers, des infirmières, avec une pancarte en haut à droite des tribunes, si on peut la montrer. Ça résume bien l'émission de ce soir. Aidez-nous à vivre. On est là pour vous aider à vivre. L'envie de vivre, l'envie d'aller au bout de ses rêves, au bout de sa passion. Grégory l'a exprimé à la Starac à travers des beaux duos inoubliables. Rappelez-vous le face-à-face Grégory-Oda, se mesurant sur l'envie de Johnny Hallyday. Eh bien ce soir, deux performeurs, une académicienne, un professionnel, un artiste de grande voix s'approprie cette chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Patrick Fiori chante avec Alexia. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Allez, faites du bruit sur le plateau pour Greg. C'est parti. Donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix.
j'aime l'amour. La solitude aussi, beaucoup j'aime les gens. J'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Que j'aime être sain, vaincre la maladie. Ma vie, qu'on me donne les moyens de vivre. Patrick Fiori, Alexia. Patrick, je sais que cette chanson a une importance particulière pour toi. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Greg? Ce qui m'a marqué chez Greg, c'est beaucoup de choses, mais je pense que rares sont les artistes qui arrivent à nous faire revivre nos premières émotions. C'est-à-dire, pour vous expliquer en quelques mots, on est avec tout ce qu'il y a de beau, et dès qu'on arrive dans la vie active, il y a quelque chose qui se casse en nous. Il y a une émotion que l'être humain perd dès qu'il rencontre quelque chose qui le heurte. Et la capacité de Greg, vocalement, au-delà du grand bonhomme qu'il était, c'est qu'il avait cette chance d'aller chercher en chacun de vous cette émotion que vous aviez perdue. C'est pour ça que dans le reportage, au début, on voit des larmes. Ce ne sont pas des larmes de peine, ce sont des larmes de joie, parce que ça va réveiller quelque chose au plus profond de votre ventre, de votre âme et de vos cellules. C'est juste ça. Voilà. 3280, mesdames et messieurs, le numéro de téléphone. Je pense que vous auriez une bonne note ce soir. Alors une bonne note ce soir, si elle avait été notée. Merci pour vos dons. Merci de réinsister. Nous avons explosé le standard grâce à vous. Et on va continuer, on va tout exploser ce soir. Et je vous rappelle, petit détail important, que la loi permet de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don. L'argent, c'est l'arme essentielle pour vaincre la maladie, toutes les maladies. Et ce soir, nous allons la vaincre, la mucoviscidose. À sa sortie du château, Grégory devient une étoile de la chanson. Tout le monde le veut, il est sur toutes les scènes. Son premier album, Je deviens moi, se vend à 450 000 exemplaires. Il entame une tournée, il se produit 4 jours à guichet fermé à l'Olympia en 2006. Un rêve devenu réalité qu'il partage à ce moment-là avec Nolwenn Leroy, invité à chanter en duo sur scène, même si une chanson reprise ce soir par l'artiste et notre académicien Pierre. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Le 22 décembre 2004, Grégory Le Marchal entre définitivement dans la lumière. Après le succès de son premier album, Je deviens moi, il entame une tournée marathon à travers toute la France, la Suisse et la Belgique. Des dizaines de dates, des milliers de fans et une volonté farouche d'offrir un spectacle à la mesure de son talent. The show must go on. Il
a réussi cette tournée, il a fait cette tournée jusqu'au bout avec une volonté incroyable. Pour quelqu'un qui est malade de la muco, de tenir ce rythme-là, c'est impressionnant. Je suis très heureux de voir que tenir un spectacle une heure et demie se passe très bien pour moi. Je t'écris des trottoirs de nos villes habillées en Noël. Merci mes anges, tout simplement. Oh, il avait un public fabuleux qui le soutenait corps et âme. Les quatre coins de la France, on est venu te dire qu'on s'aime. Merci à vous. Je connais certaines fans qui ont fait toutes les dates de la tournée. Et le point d'orgue de cette tournée triomphale fut l'Olympia. Quatre dates à guichet fermé. L'aboutissement d'un rêve pour le Petit Prince. Et la première fois quand j'ai vu ça fin mai, j'ai vu mon nom, là, Grégory Lemarchal. Ah ben, mon Dieu. Ils ont été des milliers à applaudir l'artiste et d'autres à le soutenir sur scène, comme son ami Nolwenn Leroy. Il y avait une espèce d'émotion particulière, supplémentaire. Enfin, c'était. Mais c'est de toute façon des beaux moments, quoi qu'il arrive, c'était des beaux moments. Jamais devoir choisir.
Pierre chante avec Nolwenn Leroy. Chante bien, garçon. On est un bon cru cette année. Nolwenn, c'est Grégory qui avait eu l'idée. Oui. De ton duo avec oui, lui à l'Olympia. Comment ça s'était passé? Il m'a fait l'amitié de m'inviter. Oui, il m'a appelé pour ce dernier Olympia. C'était un bonheur. C'est beaucoup d'émotions ce soir. C'est marche, je les ai descendues. J'ai ouvert le spectacle l'année dernière à la même période avec Greg à ma droite et j'ai chanté cette chanson aussi avec lui. Presque à la même période aussi, ce duo. Et voilà, c'est très émouvant de leur chanter ce soir. Pierre, c'est impressionnant d'être dans ce contexte. Avec un garçon que vous n'avez pas connu, mais que vous ressentez au château. Je vous ai vu toute la semaine, on a l'impression que Grégory est dans les parages, vous parlez de lui, vous êtes ému, vous chantez ses chansons. Moi, ce que je retiens de Grégory Le Marchal, c'est la force qu'il avait dans ses yeux, cette volonté et cette joie de vivre. Voilà. Parce qu'il a vraiment cette volonté, cette rage en lui. Et c'est ça que j'ai aimé. Alexandre Joubert, vous l'aviez vu à l'Olympia, Greg? Oui, j'avais eu la chance de le voir et t'as raison, Pierre. Il avait une incroyable joie de vivre. Et on le sait, il était extrêmement fatigué à cette période-là. Et il y avait une forme d'appel de la foule, d'appel de la scène. Et il arrivait comme ça. Et là, c'était un moment magique, quoi. Et il a emmené la foule avec lui. Et il sortait souvent exténué, vidé, mais avec une forme de, voilà, dans le cœur, une palpitation qui était merveilleuse à voir dans ses yeux. Tous ses amis sont là ce soir. David Esposito, Gérard Lenormand, Julie Zenati, Emmanuel Moir, Hélène Segarra, Patrick Fiori, tous chantent avec le cœur parce que Grégory était un garçon drôle, très drôle. Il nous vannait jour et nuit, touchant parce que digne. Et tous ceux qui le croisaient finissaient par tomber sous le charme. Ce soir, plus que jamais, nous lui témoignons à notre façon tout notre amour, toute notre affection. Vous aussi au 32-80, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que vous soutenez tous ceux qui, comme Grégory, souffrent et qui veulent vivre. www.tf1.fr, notre site internet, si vous n'habitez pas en France. Vous pouvez aussi contribuer, mesdames et messieurs, à cette soirée. Dans l'album posthume de Grégory, sorti au mois de juin, La Voix d'un ange, qui s'est vendu à 850 000 exemplaires et dont une grande partie des ventes sont reversées à l'association, figure l'une de ses chansons préférées. Un succès de Jean-Jacques Goldman, avec qui Grégory a eu l'honneur de chanter sur le prime de la Starac 4. La chanson « Là-bas » nous est offerte ce soir par le duo Claire-Marie. Mathieu, et vous aussi dans le public, chantez avec nous, vous aussi à la maison. Juste avant les fêtes, on rend hommage à notre pote et on se bat pour tous les autres. C'est parti, « Là-bas ». Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas, cœur et faut du courage, mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Je te veux marier, père, et toi tu rêves de faire.
Et si tout est joué d'avance et l'on n'y peut rien changer, tout dépend de ta naissance et moi je ne suis pas bien né. Là-bas, loin de nos vies, de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Là-bas, la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce que tu mérites à toi. Si les autres imposent leur voix, je te verrai peut-être là-bas. Mais je me perds si je reste là. Il ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi, ce sera là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Vivre quand tu manques sans grillage. Bon, comme on n'imagine pas, si même nos rêves sont tous trois, là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. On ne m'a pas laissé le choix. Là-bas. Je me perds si je reste là. Là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. Claire-Marie Mathieu, la promo 7 se souvient, la promo 7 est généreuse et elle honore quand il le faut, juste avec le cœur. Vous avez travaillé toute la semaine pour être au top hein, sur ce duo. C'était pas évident, hein. Elle est difficile cette chanson. Elle est super difficile et c'est surtout, il faut vraiment se mettre dans le contexte du texte et comprendre le texte avant tout. Et on a bien bossé, je suis super fier d'avoir chanté avec elle. Et moi je suis super fier de vous voir épauler la famille de Grégory Le Marchal, de Grégory. Il y a sa fiancée qui est avec nous aussi, Karine. Karine, quand est-ce que t'as remarqué Grégory? À quel moment? Comment ça s'est fait? Non, pour être honnête, je suivais très peu à l'époque la Star Academy 4. Évidemment, je l'avais déjà vu et je trouvais qu'il avait beaucoup de talent, qu'il était très séduisant. Mais, enfin, tout le monde le sait, on s'est rencontrés par la suite et effectivement, au-delà de l'artiste, j'ai craqué pour l'être humain que c'était et que c'est toujours d'ailleurs. Moi, je voudrais te dire qu'on t'aime, comme on aime ta famille, et tu fais partie de la nôtre. Merci. Jusqu'au bout. D'accord? Oui. Difficile de rester insensible, hein. Difficile ce soir. À cette saloperie de maladie, comme disait Greg, maladie génétique mortelle qui ne se voit pas, mesdames et messieurs, qui ne crée pas de handicap extérieur, un handicap moteur, mental. La mucoviscidose, pour autant, est la maladie génétique la plus fréquente. 2 millions de personnes sont porteuses du gène et peuvent le transmettre à leur enfant. 3280, c'est le numéro de téléphone, mesdames et messieurs. www.tf1.fr pour qu'ensemble, ce soir, nous donnions un coup de poing à la maladie. Vous pouvez faire vos dons par Internet, par téléphone. Le standard explose, merci de votre compréhension. On est saturé, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Pierre, Laurence, Leslie, Karine, chers amis, chers artistes, nous venons de dépasser le million d'euros. Et c'est que le début. La Starac se mobilise contre la mucoviscidose. Spectacle et émotion du cœur rime avec solidarité ce soir en ces fêtes de fin d'année. Tous les artistes sont là pour continuer le combat. Grégory, et dans notre cœur aussi, Julie Zenati, la belle Julie, Emmanuel Moi, David Esposito, son ami, Olivier Autin, ses camarades de la Star Academy 4, Gérard Lenormand, Hélène Segarra, Patrick Fiori, Noël Leroy. Grégory Le Marchal nous a montré le chemin du courage et de la dignité. Et pour lui, très modestement, nous allons continuer ce soir. On compte sur vous pour le spectacle et surtout
pour votre don au 3280. Tout de suite. Mika en intro, Grégory adoré Mika. De la générosité ce soir à la Starac, nous rendons hommage à notre ami Grégory Lemarchal, mesdames et messieurs, en chanson. Parce que le spectacle continue, et en image, pour vous sensibiliser, vous informer sur la mucoviscidose, pour que la voix de l'ange perpétue son message d'espoir. Vous pouvez soutenir son association, c'est crucial et c'est maintenant que ça se passe. 3280 numéro de téléphone, même si c'est saturé, assistez. Notre site internet www.tf1.fr pour la Belgique, la Suisse et tous les pays francophones que nous regardons, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Liban. Hélène Segarra, entourée de Pierre et Mathieu, chante tous les cris, les SOS, la première chanson que relève Grégory sur le plateau. Jusqu'en haut, il pousse la voix sur le prime de la Starac 3. C'était en septembre, c'est la Starac 4, le 3 septembre 2004. On regarde les images et juste après, on écoute Hélène Segarra. Tous les cris, les SOS. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. J'ai dessiné à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des liens de nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des liens noués de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS, partout dans les airs, dans la lacune de trace, dans les écumes pour la beauté. Sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de veille. J'ai recollé tous les morceaux. Tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Faudrait changer les héros. Dans un monde où le plus beau reste à faire. Je cours, je me raccroche à la vie, me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les
me font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages lus, mais les vagues et les bras-mères, en clair d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS, partent dans les airs. Mathieu, Pierre et Hélène Segarra. Pascal Nègre. Pascal. Eh oh. Pascal, je dois dire que vous avez un talent inné pour découvrir des nouveaux talents précisément, et que quand on fait les castings dans l'auditorium de TF1 ensemble, avec Alexia, avec tout le staff, vous êtes juste génial. Et je me souviens de votre remarque quand Grégory a chanté. Bah, c'est vrai que c'était assez étonnant, parce que c'est des voix comme ça, on en rencontre très 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 rarement. Il avait, attention, je parle sous contrôle de Mozart, donc je m'insultais. Mozart, c'est Yvan Cassar, je le dis, c'est la coupe. Il avait combien d'octaves? Quatre octaves. Voilà, donc c'est absolument incroyable. Et la deuxième chose, c'est le regard. Le regard. Et, cher à Rafi. Oui, mais qui est vraiment important. Et c'est quelqu'un qui chantait du sens. C'est-à-dire que toutes les chansons, et d'ailleurs c'était une de ses volontés sur l'ensemble des chansons qu'il a enregistrées ensuite, c'était à chaque fois chanter quelque chose qui avait du sens. Et en ça, c'était un grand interprète, parce qu'il voulait absolument chanter des choses qui voulaient dire quelque chose. Et voilà quoi. Mais c'était un moment assez incroyable, assez incroyable. Merci Pascal Nègre. Je peux rajouter quelque chose. Ce que vous voulez ce soir. À partir du moment où les gens téléphonent, ouais, font leur don, rajoutez ce que vous voulez. 32-80. Alors, on va... Normalement, je pense que ça, officiellement, ça sera su dans une dizaine de jours. Mais sachez que sur 2007, Grégory est l'artiste qui, en France, aura vendu le plus de disques et de DVD. Voilà. Tout artiste confondu, ça sera l'artiste numéro 1 de l'année 2007. Voilà. Je suis certain qu'il est super fier de ça. Et merci à vous. Ah, c'est la folie ce soir ici. Hélène, je connais votre sensibilité. Vous trichez pas. Vous donnez. Vous partagez. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Hélène Segarra, tu restes avec nous. Et qui sort début 2008, un duo avec Bruno Pelletier. La moitié de nous, écrit par vous, Hélène, et composé par Mathieu Leca. Hélène, vous serez également au Bataclan les 10 et 11 et 12 avril 2008. Grégory était une bête de scène. Il se donnait sans limite, sans compter. Il avait toujours de la passion, du plaisir, de l'humour dans chacune de ses performances. Souvenez-vous. Con te io rivivrò.
sans y croire, d'amour sans le vouloir. Si je sais que tu m'attends. On doit se mobiliser ce soir, jusqu'au bout. Aucun rêve n'est impossible, Grégory nous l'a prouvé. Nous pouvons ensemble vaincre la mucoviscidose, mesdames et messieurs. 3280, c'est le numéro de téléphone, ou par internet, www.tf1.fr, notamment pour la Belgique et la Suisse. Ne téléphonez pas, juste par internet, et vous serez avec nous dans notre aventure ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Leslie, pour ton frère ce soir, on vient de passer les 22 heures. 2 millions d'euros ! 2 millions d'euros ! Et on peut faire plus, mesdames, messieurs ! 32,80 ! On doit faire plus ! Pour tous ceux qui sont là ! Pour tous les malades qui espèrent ! Qui veulent vivre tout simplement comme nous ! On vient de découvrir Grégory interpréter « Je ne suis pas un héros » le soir de sa demi-finale face à Mathieu Johan. Pour lui rendre hommage, deux académiciens de la promo 7, Jérémy et Quentin, lui dédient maintenant cette chanson de Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros. Pour nous, tu es et tu resteras toujours notre héros. Jérémy, Quentin, allez! De la lame qui coule, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène comme en dernier train, même les soirs de drame, il faut toucher la flamme qu'il faut, toucher les flammes qui me tendent les mains. Qu'elle m'aime et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. S'accroche à mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de poing dans l'âme, j'ai trouvé la flamme qu'il faut. Pour mourir ses lèvres, il ne faut rien
rien emporter que ce que les autres n'ont pas voulu garder. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Daniel Balavoine, une des chansons préférées de Greg. Bravo les garçons, bravo. Quentin Jérémy. La mucoviscidose est une maladie génétique mortelle qui détruit les poumons et contre laquelle 6000 jeunes Français se battent au quotidien. 6000 personnes qui nous regardent ce soir, qui s'accrochent et qui espèrent. 3280 le numéro de téléphone ou par internet www.tfa.fr. Nous allons battre tous les records ce soir pour Grégory et pour tous les autres. Grégory qui s'est battu jusqu'au dernier souffle, assailli par la maladie, mais résolument optimiste, ne s'est jamais plaint. Un mois avant son décès, il travaillait sur son deuxième album, La Voix d'un Ange. Grégory n'aura pas eu le temps de poser beaucoup de voix. Quatre voix, quatre titres inédits, notamment sur la chanson écrite et composée pour lui par Julie Zenati, qui est avec nous ce soir, et Patrick Fiori. Vous allez découvrir comment cet album posthume a pu voir le jour, et ensuite Patrick Fiori et Lucie unissent leurs voix pour chanter Le Lien. À la suite du succès de son premier album et d'une tournée triomphale, Grégory et son équipe se lancent dans la préparation du deuxième disque. Début 2007, tout le monde se met au travail. L'idée globale de ce deuxième album, c'était d'avoir des chansons qui avaient vraiment été écrites en pensant à lui, en tant que mec, en tant qu'être humain, et puis en tant que chanteur par rapport à sa tessiture vocale. Pour la première fois, Grégory écrit le texte d'une chanson qui deviendra un tube, de temps en temps. Il avait très envie d'écrire, de mettre une empreinte autre que celle de sa voix. Donc pour lui, l'écriture était le meilleur moyen d'y arriver. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. On y retrouve également Le Lien, une chanson inédite signée Julie Zenati et Patrick Fiori. Patrick Fiori a connu Grégory bien avant moi, quand on a commencé à travailler sur le deuxième album. Le Lien est arrivé comme ça un jour, chanté par Patrick, et Greg a posé sa voix, et voilà, la chanson est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette chanson, c'était une bombe que Greg adorait. Racontez-moi. De plus en plus diminué, Grégory trouvera malgré tout le courage d'enregistrer le plus de voix possible. On avait installé chez lui un espèce de mini-studio avec un ingé son qui venait l'après-midi pour enregistrer ses voix, quoi. Les inédits ont été mis en boîte entre le 22 et le 26 mars. Soit un mois à peine avant qu'il ne nous quitte. Mais l'album La Voix d'un Ange sortira début juin 2007 avec ses quatre inédits et cet extrait de live emblématique de Grégory, comme Et maintenant et SOS d'un terrien en détresse. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Voilà, tout le monde a vraiment super bossé, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec... toujours dans l'esprit, les désirs de Greg, le visage de Greg, la voix de Greg. Cet album hommage se vendra à plus de 850 000 exemplaires et fera définitivement entrer Grégory dans la légende. Regarde ma main, on s'accorde une pause. J'appelle à mon destin, mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien. Le mal se suppose, le lien. Elle remonte trop loin, les souvenirs s'essoufflent. Je trouve un peu de moi dans cette vie sur ces routes. C'est comme au bord de rien que le lien me revient enfin.
semaines sans fin. Qui s'accorde un repos comme ceux qui meurent pour rien, si loin sans une rose. Tu me dis que soudain, lui peur c'est pas grand chose, pas grand chose. Racontez-moi. Je fais sans foi, le jugement explose. L'ennui est au soleil, l'impératrice, le monde. Pour moi, je serre encore les poings et je crie pour demain. Je crie pour demain. Je vois. Regarde ma main. Elle s'accorde une pause. J'appelle à mon destin. Mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien. Et le mal se suppose. Le lien. Le lien. Patrick Fiori chante avec Lucie. Une chanson de Grégory Lemarchal qu'on entend partout à la radio en ce moment. Écrite par Patrick et Julie Zenati. Très émue, Julie, ce soir. Julie, vous l'avez connu, Grégory ? Très peu. On a chanté ensemble une fois pour Tout le monde chante contre le cancer avec Nicolas Rossignol, vous en souvenez ? Oui, je me souviens, c'était un très joli moment. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance ensuite de retourner à l'Olympia pour voir chanter deux fois Grégory. Et voilà. Tout a déjà été dit, c'était, pour moi c'était un grand artiste et le fait d'entendre dans sa bouche des mots que j'ai écrits un peu aussi avec Patrick, ben, voilà, ça me fait bizarre en fait. Voilà. Merci d'être là ce soir, merci. Grégory disait qu'après sa greffe, il ne se tairait plus, il voulait informer au maximum sur la maladie. Il n'a pas eu le temps, on le fait pour lui avec sa famille. Il nous donne toute sa force ce soir pour continuer son combat au 32-80. On a passé les 2 millions d'euros, mesdames et messieurs, on continue. www.tf1.fr 2 400 000, mais on peut faire le double au moins. Vous en pensez quoi, Laurence? On peut aller encore plus haut. On peut encore aller encore plus haut, oui. Avec le cœur. J'espère. Et je voudrais m'adresser, si je peux. Bien sûr, Laurence. À tous ces jeunes qui souffrent, comme Grégory a souffert de la mucoviscidose, je voudrais vous dire que quelques jours avant que Grégory ne parte, il a dit surtout, dites-leur de ne jamais, jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Alors pour nous, le pire est arrivé, mais pour vous, je peux vous assurer qu'on fera tout pour que le meilleur arrive. Et je vous en supplie,
le 3280. Aidez-nous pour que le meilleur arrive pour eux. Mais croyez-y. Merci maman. C'est pas une mission impossible hein, pour contribuer au financement des objectifs de l'association de Grégory. Faut des sous, notamment pour toutes les actions qui améliorent le confort et la qualité de vie des patients atteints de la maladie, mais aussi pour les familles qui les accompagnent. Pour mieux comprendre, mesdames et messieurs, voici quelques images. Ce sont vos enfants. Voici les objectifs de l'association. La volonté de Greg, juste avant qu'il nous quitte, c'était justement de s'occuper un peu plus de la mucoviscidose. C'est lui qui voulait parler et ne plus se taire. Donc aujourd'hui, on ne se taira plus. Mieux faire connaître la mucoviscidose, c'est l'un des principaux objectifs de l'association créée par les parents de Grégory. Dire haut et fort que cette maladie génétique est mortelle et pas toujours bien comprise. Cette maladie, malheureusement, elle ne s'affiche pas. C'est d'autant plus important d'en parler. Un exemple concret, les places de stationnement handicapées. Il y a des gens qui vous agressent parce que comme vous n'avez pas l'air malade et pas, vous n'avez pas l'air handicapé, eh bien, ils se permettent de vous juger et de penser que vous prenez la place d'un handicapé. L'autre grand chantier de l'association, c'est d'aider directement les malades et leurs familles en améliorant confort et bien-être à l'hôpital. Alors Céline, ça va? Le confort, ça peut être quoi? Ça peut être une climatisation, une télévision, une salle pour les familles hein, qui puissent se retrouver. Tout ça, c'est du vécu, quoi. On a vécu ça avec Greg. Ça, c'est des aménagements qui feraient passer l'hôpital public des années 50-80 au 21e siècle. Enfin, l'hôpital est fait pour soigner, mais il est aussi fait pour accueillir les gens dignement. Très concrètement, l'association veut développer les infrastructures et notamment créer plus d'espaces verts au sein même des hôpitaux. Quand Grégory sortait, il y avait juste un arbre au milieu. Pour quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre d'hôpital, qui sort à l'extérieur, dans l'enceinte de l'hôpital, et qui n'a que du béton, je peux vous dire que c'est terrible. Enfin, l'association Grégory souhaite aussi aider la recherche scientifique pour encore faire reculer la mucoviscidose et faire en sorte que l'on n'en meure plus à 24 ans. Plus on récoltera d'argent, plus on ira vite. Et on a bien l'intention justement d'aller vite et de gagner le combat. Franchement, on va y arriver. Tous ensemble, on va y arriver. Et il faut que l'opinion publique nous suive. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Pierre-Laurence, 24 ans que vous vous battez contre cette maladie. 24 ans que vous vivez au jour le jour les soucis. Vous l'avez vécu avec votre enfant, avec d'autres malades. C'est possible d'arriver à bout de la mucoviscidose? Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Il y en a marre de les voir souffrir. On avance, mais pas assez vite. Il nous faut encore beaucoup, beaucoup de moyens. Et j'ai une anecdote concernant Grégory. Un soir, j'ai sorti à 1h du matin parce qu'il faisait très chaud en avril. Il était dans son fauteuil avec l'oxygène. Il a enlevé son masque juste pour me dire, en voyant l'arbre que vous venez de voir dans ce reportage, il regardait l'arbre comme ça, il dit « Tu vois, papa, c'est ma forêt à moi. » Et là, tout chez moi a explosé, quoi. Et je dis « Mais espace vert, la télévision, des salles pour se recueillir, pour les familles, pour les jeunes, des vélos d'entraînement à l'effort, il existe des tas de choses qu'on peut améliorer. Et c'est pour ça qu'on est là, entre autres, et ça sera un de nos principaux objectifs de l'association. » Et oui, pour répondre à ta question, Nikos, oui, on va y arriver, j'en suis sûr. On va y arriver ensemble ou pas? Yvan Cassin, alias Mozart. Hein, mon Yvan? Je sais que tu étais très lié avec Grégory en écoutant les chansons de Greg et la qualité de son interprétation. On peut saluer l'artiste. Tu as réalisé son dernier album? Oui, moi, c'est vrai que ce soir, j'ai juste envie de témoigner en tant que musicien et dire à quel point j'ai pris du plaisir à réaliser un album avec lui, à quel point cette expérience qui était très difficile juste après la Star Academy, il était épuisé, il faisait de la promotion, il était là toutes les après-midi à chanter. Il lâchait jamais l'affaire. Ouais, hein. J'étais là en dehors de ses vraies qualités d'interprète qui m'ont touché. Moi, la première fois où je l'ai entendu ici, j'ai décidé de travailler avec lui. C'est simplement juste à un moment comme ça, en 3 heures, d'un coup, une toux, et tu te dis, mais c'est bizarre, cette toux, elle est plus grasse que d'habitude. Comment ça se fait? Et voilà, et d'un coup, on réalisait qu'il était malade, mais autrement, jamais, jamais, jamais. Parce qu'on doit dire aux gens qu'avant les chansons, et je le dis devant ses parents, en toute tranquillité, Grégory était parfois à bout, fatigué. Il toussait, mais il montrait rien quand il venait sur scène. Il surpassait.
Il ne se plaignait jamais. Jamais. Jamais, mesdames, messieurs. 3280, numéro de téléphone pour soutenir l'association. Pour tous les autres. Pour tous ceux qui se battent. Parmi les grandes pointures qui ont collaboré à cet album figure Marc Lévy, l'auteur du best-seller, entre autres, et si c'était vrai, qui a signé avec Yvan le texte de la chanson « Je t'écris » interprété ce soir, en direct, par Julie Zenati et Pierre. Je t'écris du trottoir de nos villes habillées en Noël, de quelques nuits d'hiver aux saveurs douces amères. Je t'écris de ces soirs de lumière, des yeux émerveillés de cette petite fille au pied d'un grand sapin sur la 5e avenue. Je t'écris d'un départ d'une valise oubliée, d'un lac blanc où se coupe le patine. Je t'écris d'un désert où l'épave d'un bateau se souvient de la mer. Je t'écris d'une terre où des maisons s'écroulent. Je t'écris de venir amants s'éveillent au son de vieux clochers. Il y neigera peut-être encore cette année. Je t'écris de la mer au large de Gibraltar, le regard vers Tanger. Je t'écris de l'Afrique où l'on meurt par milliers. Des quatre coins de la terre, je t'écris des tranchées de guerre abandonnées. Je t'écris d'un baiser de ce banc de Paris où deux âmes s'enlacent dans leur éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris d'un café, de l'aile d'un avion où nos mémoires s'enlacent pour ton éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris de ces ciels de quart-monde où les corps si légers d'enfants trop peu nourris s'élèvent sans faire de bruit. Des quatre coins de la terre, je ferai le tour du monde.
Quel souvenir, Yvan Cassin, vous gardez de Grégory après cette chanson? Regardez l'hommage de deux artistes. Ah, je suis extrêmement bravo. Ils l'ont magnifiquement bien chanté. Je suis très très ému d'entendre ça quelques mois, un an après l'avoir entendu la première fois. En plus, c'était très bizarre pour moi qui compose pas souvent des chansons. Et avec Marc Lévy, on avait décidé de faire une chanson un peu littéraire qui rendrait grâce à ses capacités vocales, qui rencontrait une belle histoire, qui soit dans une énorme progression pour profiter, si j'allais dire, de ses qualités naturelles inouïes. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça ce soir. Merci beaucoup. Merci. Ce que je dois vous dire, mesdames et messieurs, c'est que depuis le début de l'émission, beaucoup d'artistes nous appellent. Tous. Michel Delpech, Patrick Bruel, Johnny Hallyday. Il a une surprise pour nous ce soir, Johnny. C'est vrai que ce soir, je voudrais être le messager de Johnny Hallyday qui n'a pas pu être là et qui tenait à être présent et qui a tenu à faire une série Collector Smet for Grégory de 10 t-shirts. Magnifique. Voilà. Qui sont vendus depuis ce matin aux enchères sur Internet au profit, bien sûr, de l'association Grégory Le Marchal. Merci. Plus d'infos, mesdames et messieurs, sur tf1.fr. Julie Zenati, son nouveau single, 12 extraits de l'album La Boîte de Pandore qu'on adore, est disponible. Julie sera en tournée dans toute la France dès le printemps prochain et à l'Olympia le 25 mars 2008. C'est la fête nationale grecque, hein, le 25 mars. Julie, Pierre. On est à 3 millions d'euros. On est à 3 millions d'euros. On peut faire mieux. On peut faire mieux en 32-80, mesdames et messieurs, même si c'est saturé. Insistez. 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 Grégory, carrière fulgurante. Il nous laisse un grand vide qu'on comble ce soir comme on peut avec de la musique. 32-80, numéro de téléphone. Dans un instant, spectacle. Solidarité avec Nolwenn Leroy, Emmanuel Moir, Gérard Delormand, Hélène Segarra, Patrick Fiori, Davide, Esposito, Julie qui revient. Partagerait des moments de bonheur et d'amitié de Grégory au château avec ses camarades de la promo 4 qui lui dédie une chanson inédite. Grégory poussera encore plus loin le spectacle avec ses plus belles prestations. Mesdames, messieurs, on est à quelque chose de 31 et ce soir, avec le cœur, la mobilisation continue au 32-80, tout de suite. Retour à la Star Academy pour un hommage à notre ami Grégory Le Marchal, dont la rage de vaincre, certes, ne lui a pas permis de vaincre la mucoviscidose. Grégory est parti trop tôt, mais pour que son admirable et trop courte aventure continue, on va se mobiliser ce soir. On va se mobiliser ensemble. Pour Greg, le combat doit continuer, mesdames et messieurs. Nous partageons avec nos étudiants et les amis artistes de Grégory des moments privilégiés. Patrick Fiori, Hélène Segarra, Julie Zenati, Nolwenn Leroy, tous vont continuer à chanter pour Greg et pour tous les patients atteints de cette saloperie de maladie. Je vous rappelle juste qu'environ 200 enfants naissent chaque année en France avec la mucoviscidose. Ne les oubliez pas. 3280, c'est le numéro de téléphone. C'est notre site internet aussi, www.tf1.fr, pour la Belgique, pour la Suisse et pour tous les pays francophones qui nous regardent ce soir. 3 200 000 euros pour l'instant. On peut faire mieux ensemble. 32-80, mesdames et messieurs. Et même si la vie est parfois cruelle, la disparition d'un enfant injuste, aucune vie n'est une cause perdue, même lorsque l'on se sait condamné d'avance. La chanson « Un corps perdu », extraite du premier album de Grégory, est un témoignage bouleversant qui se revêt chaque jour davantage d'un sens particulier. Ce soir, au piano, Emmanuel Moir chante avec notre étudiant Mathieu, plusieurs fois sauvé par le public. Accord perdu. Puisque des filets nous retiennent, puisque nos raisons nous enchaînent, plus que nous brillent sous nos repas. Et puisqu'on n'atteint pas le ciel, à moins de s'y brûler les ailes et suivre les routes où l'on s'égare, comme on dresse un étendard.
avoir enfin cru à temps perdu. Puisque les destins sont les mêmes, que tous les chemins nous ramènent à l'aube d'un nouveau départ. On n'apprend rien de nos erreurs, à moins de s'y brûler le cœur. Je suivrai les routes où l'on s'égare. Commanderai-je un lieutenant à corps perdu, livré sans fin. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. À corps perdu. Des chansons les plus représentatives de Grégory Le Marchal. Accord perdu. Emmanuel Moir, venez me rejoindre. Mathieu. Manu, t'as souvent croisé Grégory sur les plateaux de télé. J'ai souvent croisé, effectivement. Ce qui était... Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Grégory, donc je vais pas en rajouter énormément. J'ai juste une... Je crois que Grégory, à lui-même, c'était une leçon de vie, tout simplement. Et en plus, artistiquement, je pense qu'il était un bon exemple pour beaucoup d'artistes. Voilà. Mathieu, chantez cette chanson en direct. J'imagine ce qui se passe dans votre tête. Je suis forcément super fier de chanter cette chanson en sachant qu'elle tenait à cœur vraiment à Grégory. Et c'est vrai que c'est pas une personne que j'ai pu connaître personnellement, mais je sais que c'est vraiment un exemple de générosité et d'amour et de plein de joie de vie. Et j'espère que tout le monde a pu le remarquer. Merci Manu. Manuel Moir, 170 000 albums vendus. Là où je pars, déjà double disque d'or. Une très belle carrière que vous faites, Manu. On est fiers de vous. Merci. Après une première tournée à travers toute la France, Emmanuel Moir retourne sur les scènes dès le mois de février et sera de passage à Paris le 16 avril prochain. À la Cigale. Emmanuel Moir ! Merci. Mobilisez-vous. Pendant qu'on désinstalle, derrière, toute la chorégraphie signée Kamel Wally, vous dire que, grâce à Grégory, des malades ont repris confiance. Un exemple de détermination et de courage salué par Chloé. Chloé qui est avec nous ce soir, c'est une adolescente de 14 ans, atteinte de la mucoviscidose, avec qui notre académicien Jérémy a passé une journée à Grenoble. Oh.
La semaine dernière, Jérémy a fait la connaissance d'une collégienne pas tout à fait comme les autres. Chloé a 14 ans et elle est atteinte de la mucoviscidose. Bah, c'est une maladie qui touche les voies respiratoires et l'appareil digestif. Dans la vie de tous les jours, enfin au quotidien, est-ce que tu te sens à part ? Je me sens comme les autres. Je fais tout comme les autres, tout, sauf que bah, même si ça se voit pas, je suis fatiguée en fait tout le temps. C'est vraiment une personne formidable, qui a énormément de courage et vraiment, moi, je l'admire beaucoup. Si à l'école, Chloé est une ado presque comme les autres, à la maison, c'est tout autre chose. Le traitement contre la mucoviscidose implique beaucoup de contraintes. Tous les jours, un kiné vient à domicile pour l'aider à faire des exercices respiratoires. Là, on l'accompagne, on la guide, on lui donne des directives, mais elle doit, et plusieurs fois par jour, le faire toute seule. Sur le moment, tu le sens comment ? Bah, sur le moment, ça fait pas spécialement du bien. Mais après, si, je me sens mieux. Après, tu te sens mieux ? Ouais. Mais les contraintes pour Chloé ne s'arrêtent pas là. Jérémy va vite le comprendre. Alors maintenant, je vais te montrer tous les médicaments que je prends pendant toute une journée. Il y en a beaucoup ? Bah ouais. Donc alors, j'ai du magnésium, du sel, des médicaments pour aider à digérer, des antibiotiques. T'as combien de médicaments ? J'en prends à peu près 25 à 30 par jour. 25 à 30 gélules par jour ? Ça dépend des fois, enfin des jours quoi. Enfin, tous les jours, Chloé doit absorber des antibiotiques par aérosol pour aider ses poumons à se défendre contre les infections. Tu dois faire ça combien de temps et combien de fois par jour ? Ça dure à peu près un quart d'heure. Ouais. Et je le fais deux fois par jour. T'es quelqu'un de très 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 courageux. Je pense que pas beaucoup de gens qui peuvent endurer, tout ça par jour. De t'avoir vu aujourd'hui, je pense que ça fait prendre conscience de plein de choses. Au fil des années passées à grandir avec la maladie, une personne a aidé Chloé à prendre courage. Grégory. Écris l'histoire dans ma mémoire. C'est un exemple en fait pour moi. Je me suis dit, bah, y a pas que moi et ça m'a encore plus donné de force et la vie elle vaut la peine d'être vécue à 100%. Un gros bisou. J'ai passé une excellente journée avec toi et on se reverra très vite. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu, Jérémy, en partageant le quotidien de Chloé ? J'ai retenu que Chloé était quelqu'un qui avait un cœur énorme comme ça, qui avait un courage pour son âge à 14 ans que peu de gens ont. Et elle a une grande maturité. T'es quelqu'un de génial, Chloé. J'ai adoré passer cette journée. Merci de m'avoir montré ce que c'était ta maladie au quotidien. Et j'espère d'avoir montré à tout le monde parce que c'était vraiment une très belle journée pour moi. On te souhaite un bon rétablissement, ma belle. Laurence, la journée type qu'on vient de voir avec Chloé, c'est quand tout va bien. Oui. Je voudrais juste préciser que ce que vous venez de voir, c'est une journée où tout va bien pour Chloé. C'est une journée classique, elle fait ça depuis qu'elle est née. Tous les jours, il n'y a pas de vacances pour la mucoviscidose. Tous les jours, on doit se soigner comme ça. Mais ça, c'est une journée où tout va bien. Donc ça, c'est très soft. Par pudeur, on n'a pas voulu vous montrer quand ça va moins bien. Donc dites-vous que là, c'est quand tout va bien pour elle. Et je dis quand tout va bien, entre guillemets, pour elle. C'est 1h30 à 2h de soins par jour. Vous avez raison de le préciser. 1h30 à 2h de soins par jour. 32,80, mesdames et messieurs. Pour donner des sous aux scientifiques et pour qu'on arrive à trouver le médicament. Jérémy a chanté et écrit l'histoire à Chloé. Ce premier tube de Grégory est devenu un véritable hymne au château. À chaque fois que je vais le dimanche les voir au château, ils me la chantent avec leur guitare tranquillement. Et là, il se passe des choses. Ce soir, tous les académiciens vont l'interpréter avec celui qui a écrit et composé cette chanson, David Esposito. Écris l'histoire. Posa sul tuo viso, mentre dormi piano ti racconterò. Siamo come stelle
l'inferno e il paradiso, per amore accese, amore si incendiò. Que veux-tu que je fasse? Mais voici où m'avancer pour être dans ta trace. Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur. À genoux, partir ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être en rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête. Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire. Écrivez-la votre histoire, les enfants. Écrivez-la. Grazie mille, Davide. Davide Esposito, qui a écrit entre autres pour Pagny, Emmanuel Moir, Tina Arena et son premier album. Amore Eterno est disponible. La chanson de temps en temps. Qui a ouvert le Prime ce soir a été écrite par Davide Esposito. Davide Esposito qui reverse tous ses droits d'auteur pour cette chanson à l'association Grégory Lemarchal. Merci. Venez avec moi, tout le monde ensemble. Venez, venez devant, venez, venez. Je veux que vous me la chantiez comme au château, d'accord? Juste au piano, Davide, reste au piano, juste le piano. Pierre, viens avec nous. Viens mon Pierre, viens avec nous. Vous savez que le papa de Grégory est un grand chanteur. Et si Grégory a chanté, c'est parce que son père lui a insufflé l'envie. Viens Pierre, viens la chanter avec nous. Vous êtes un public extraordinaire. Jérémy, Lamarie, Lucie, Quentin, Pierre, Alexia, Mathieu et Pierre et Bertrand. S'il vous plaît, a cappella pour nos téléspectateurs qui nous soutiennent ce soir. 3280 numéro de téléphone, mesdames et messieurs. 3, 2, 1. Tout ce que tu voudras entre les lignes. Et ton territoire étendu si loin sur le mien.
Du si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. Mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais. Mesdames et messieurs, 32,80 numéro de téléphone. Merci, merci, merci à vous tous. Pour Greg, Pierre, pour Greg. La Starac a été une aventure formidable, artistique et humaine pour Grégory. Il a passé 4 mois au château, dans la joie, la bonne humeur, la déconne, il déconnait, hein, en mettant toute son énergie pour une vie normale comme tous les autres camarades. N'en parlez jamais de sa maladie. On en parle pour lui ce soir. Eh bien ce soir, ses camarades de sa promotion vont chanter une chanson de Harlem. Vous vous souvenez d'Harlem, notre pote? Plus d'un million de personnes ont déjà téléchargé sur internet cette chanson. Harlem, Radia, Karima, Oda offrent à leurs copains, à leurs stars académiciens, une chanson, Les fleurs de l'éternité. Starac, c'est comme 4 mois de com, 18 ans qui retournent à l'école. On a pris beaucoup de plaisir, beaucoup. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre. Laissez-moi danser. Laissez-moi. C'est pas possible, hein. Laissez-moi maternelle danser, chanter en ligne. La 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 la. En chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer. Le matin, elle m'est quitté. Je crois que le petit prince a fini par atterrir sur cette planète, quoi. Je crois que le petit prince, c'est Grégory. L'amour des gens et le respect, surtout, il faut le mériter. Et pour ça, bon, bah... Pour ça, il faut se battre. Et surtout là-haut, réveille-toi. Vole, dis-toi que d'ici nous on te voit. Cette image que tu as laissée n'est pas celle d'un homme qui ne guérit pas. L'histoire n'a fait que commencer. Toi, on continue le combat. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, on ne s'enfermera pas dans le noir. Oh, oh, oh. Fort, tu l'as été, donc on te le doit. Honte à ceux qui n'ont pas cessé de te nuire et ça. Les espoirs.
mais les bras tu n'as baissé. On t'entend nous murmurer tout bas. Sans ça, je vous jure, je me sens bien. Sous l'amour que tu as semé, poussent les fleurs de l'éternité. Les hommes s'en vont et viennent sans vraie raison, mais toi, tu n'es pas venu pour. Chose dure, je te l'avais dit un jour, je t'écrirai un truc, mais tu nous as pris de court. On est tous sur le cul depuis le 30, avec un peu de retard. Maintenant, je le chante, je t'aime poteau, je te l'ai déjà dit par texto. Star Academy, car t'as gardé le cœur chaud. Claro, Karine t'envoie un te quiero, et ton public me somme de te dire encore bravo. Distributeur de bonheur, je ne retiens de toi que le sacré des conneurs, gros. Les meilleures parts trop tôt de ton rire se propage un éternel écho. C'est la sécheresse dans les yeux de ceux qui t'aiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour que tu reviennes. Mais t'es parti sans pleurer, sans bruit, sur un parterre de fleurs blanches à Chambéry. Sous l'amour que tu as semé. Que ces fleurs poussent jusqu'à toi. Je vous aime. Adia Karima, Arlen, Oda. Je vous aime, venez, venez, venez avec moi, venez avec moi. Comment est née cette chanson? Merci Oda. Oda qui était avec Greg jusqu'au demi-finale, Harlem. Harlem avait promis à Grégory de lui écrire une chanson. Et peu de temps avant que le départ de Grégory, Harlem lui a proposé une instrumentale. Et Grégory lui a dit « Continue-la, ça me plaît beaucoup ». Malheureusement, il est parti trop vite, mais cette chanson qu'il avait promise à Grégory, il l'a lui offerte. Voilà. J'aime bien vous voir là ce soir. Ça va, moi, Harlem? Ça va, ça va. T'es là pour ton pote? Je suis là pour mon pote, il est là pour nous aussi. Et c'est super compliqué, enfin, dans ce genre de situation, de trouver les mots, mais je voulais juste rendre aussi hommage à la famille qui est super forte, à la maman, au papa, à Karine, à Leslie. Donc voilà, qui sont des gens formidables, vous êtes Olivier également. En relation avec Leslie. Qui sont vraiment des gens formidables et surtout une pensée aussi pour Sabrina qui est en coulisses. On va la voir tout à l'heure. Une jeune muco avec qui j'ai fait connaissance récemment et un petit Salvatore, voilà, qui nous regarde très certainement. Je me sens investi depuis la rencontre de Grégory et j'espère que beaucoup de gens le seront également. Voilà, merci. Tout à l'heure, on va découvrir Sabrina, son parcours, son combat. Elle a été greffée. Nikos. Elle était là sur le plateau, le 9 novembre. Oui, Radia. Nikos, on voudrait aussi, s'il vous plaît, très sincèrement, remercier du fond du cœur les gens qui téléphonent ce soir et qui font des dons et leur dire que c'est très important, qu'on est tous mobilisés pour cette cause. Et encore une fois, merci beaucoup et on vous attend. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Karima, Radia, Oda, Harlem. Je voulais juste reprendre le slogan de l'association Grégory Le Marchal. Oui. Pour que plus jamais la mucoviscidose ne nous arrache à ce qu'on aime. 32-80 ce soir, plus que jamais, ils ont besoin de vous. Et je voulais juste embrasser Dorian, qui je sais regarde ce soir, donc bisous mon poussin. Moi j'ai une bonne nouvelle. Laurence, Olivier Autain, ami et manager de Grégory, on est à plus de 4 millions. Yes. Karima, Radia, Oda, Harlem, en regardant ces images,
Vous vous dites que vous avez partagé des moments magiques avec un ange. Il y a trois ans, vous donniez tout sur scène, sur l'hymne de la Star Academy. Vous vous souvenez ? Laissez-moi danser. Qui peut oublier Laissez-moi danser, laissez-moi notre chorégraphie. Laissez-moi danser, mesdames et messieurs. Le spectacle continue avec les jeunes artistes de la Star Academy qui chantent et qui dansent au rythme de Laissez-moi danser. Dalida et Greg Nondia, allez, dansent avec nous. Allez, tout le monde debout. C'est parti! Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si n'avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre. Je tourne le disque. Je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y'avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre. Un grand merci à DJ Abdel pour le remix de Laissez-moi danser. Kamel, cette chorégraphie, vous l'aviez inventée il y a quelques années, elle est toujours d'actualité. Ouais, j'ai repris le refrain parce que le reste, malheureusement, je ne m'en rappelais pas. Mais le refrain, je m'en rappelais, donc on a remis la même, voilà, le même. C'est super touchant ce soir. C'est touchant aussi de voir tous les élèves se donner à fond et avec beaucoup de générosité. Voilà, Grégory, tu nous manques. Je pense comme à tout le monde. Voilà. Rafi, un mot. Oui, bah alors un, parce que moi j'étais pas là la saison de Grégory, mais je l'ai croisé une ou deux fois. J'ai vu ce qu'il avait dans son regard.
Et c'est vrai que j'ai rarement vu un regard comme ça, donc ça, ça marque. Et puis, tout le travail que les élèves ont fourni, les étudiants ont fourni cette semaine, c'était un travail vraiment très particulier. Ouais. L'atmosphère, j'espère que ça passe derrière vos téléviseurs, parce que je peux vous dire qu'ici, c'est énorme au niveau émotionnel. Et on compte sur vous pour le 32-80. Merci beaucoup. On a 4 millions, on peut aller plus loin. Parce que vaincre la mucoviscidose n'est pas un rêve impossible. Pour que tous les malades puissent avoir la chance de s'en sortir, mesdames et messieurs, soutenez-les au 32-80. C'est pas fini, hein. On peut aller bien plus loin que cela, bien plus que 4 millions. 32-80 le téléphone, le site internet pour tous ceux qui ne sont pas en France, www.tf1.fr. Générosité, présence, sincérité, les maîtres mots de la Starac 4. Grégory avait toutes les qualités, même plus encore quand il était sur scène. De belles prestations que l'on revoit toujours avec plaisir. Grégory Le Marchal ce soir, 32-80, on compte sur vous, allez, allez, allez. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y croise encore. Des colères monumentales que les vents m'ont soufflé. Des discours interminables après le déjeuner. J'ai rien dessus. Et partout. Et du larme aux yeux. Femme, 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 fais-nous in the room. Du prospère Youpla 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 Youpla. Comment on pourrait la terminer cette chanson? Je sais pas, est-ce que... Boum, ça te dirait? Ah, oh, boum, c'est une chute géniale. Boum. Boum. Passe, les instants qu'on ne peut pas retenir, c'est le thème de la chanson Reste encore que nous interprète ce soir Nolwenn Leroy et Lucie. Merci. Reste encore, encore.
sable qu'emporte la mer. Ainsi vont les rêves que l'amour abandonne. Ainsi passe un ange, mais c'est déjà Mesdames et messieurs, à 4 jours du jour de l'an, on rend hommage à notre copain Grégory Le Marchal en direct sur TFA ce soir. Star Academy spéciale pour lutter contre la mucoviscidose avec vos appels aux dons. On est à plus de 4 500 000 euros. Jusqu'au bout, on va se battre ce soir. On continue à 32-80. Nolwenn Leroy vient de chanter avec Lucie. Nolwenn qui vient de sortir son premier album live, Histoire Naturelle Tour, dans lequel on retrouve ses plus grands succès. Elle travaille actuellement à la préparation d'un nouvel album. On est super content pour toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, un DVD live où j'étais très émue la première fois que j'ai vu le montage, parce qu'on voit Greg au premier rang lorsque les lumières s'allument. Donc, ouais, c'est beaucoup de souvenirs aussi. Merci. Je pense à chaque soir avant d'entrer en scène. J'ai toujours dans mon cœur, pour toujours. Une pensée pour Greg qui nous a montré l'exemple. Je peux dire un petit mot. Bien sûr, Lucie. Je voudrais faire un bisou plein de courage à Léonie qui a 10 mois et qui atteint de la mucoviscidose. Et moi, je crois en elle autant qu'elle croit en moi. Bisous, Léonie. Allez. Merci. Nolwenn, tout à l'heure, avec tous nos amis artistes qui sont là ce soir. Gérard Lenormand, Julie Zenati, Hélène Segarra, Emmanuel Moir, Patrick Fiori. Vous allez tous ensemble chanter « The show must go on ». Parce que le spectacle doit continuer, quoi qu'il advienne. Le temps presse, mesdames et messieurs. On va se mobiliser ensemble. On peut aller encore plus haut, encore plus fort au 3280. Le numéro de téléphone ou sur notre site internet. Si vous n'habitez pas en France, www.tf1.fr. Dans un instant, SOS d'intérieur en détresse. Une reprise qui a marqué la carrière de Grégory Le Marchal. Tous les artistes réunis chantent « The show must go on ». Grégory doit être fier de voir tout le monde mobilisé ce soir pour vaincre jusqu'au bout cette saloperie de maladie, la mucoviscidose. On va la vaincre. À tout de suite. Merci de passer la soirée avec nous. Merci du fond du cœur. Merci. Grégory Le Marchal était et restera un artiste de talent, un artiste d'exception, un artiste généreux, sensible, qu'il ne laissait personne indifférent. Tout simplement, mesdames et messieurs, parce que Grégory
Grégory, ne trichez pas pour que son rêve ne s'arrête jamais. 3280, c'est le numéro de téléphone pour faire vos dons si vous nous rejoignez à l'instant. Eh oui, on est à combien, Mathieu Bern? Donnez-moi la somme. www.tf1.fr. On est à plus de 4 500 000 euros ce soir pour l'association Grégory Lemarchal. L'espoir de vivre mieux, l'espoir de pouvoir vaincre un jour cette maladie grâce à l'argent récolté. Tout dépend de vous. Même un euro peut faire la différence. Même un euro, mesdames et messieurs. Selon ce que vous avez, tout est déductible à 66% aux impôts directement. Vous n'êtes pas sans savoir, cher public extraordinaire, que Grégory réussissait à réaliser des petits miracles en chantant. Sa détermination le conduisait à repousser sans cesse ses limites. Et l'un des plus beaux moments de la Starac restera incontestablement l'interprétation bouleversante de SOS, d'un terrien en détresse. Daniel Balavoine, interprété par ce petit bonhomme qui a déployé ses ailes, ce petit bonhomme qui n'a jamais eu les pieds sur terre et qui rêvait jusqu'au bout d'être un oiseau. Grégory Lemarchal. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Plus beau vu d'en haut. D'en haut. Confondu la vie avec les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Grégory Lemarchal, une voix sur plusieurs octaves, comme nous a dit tout à l'heure Yvon Tassard. Alexia Laroche-Joubert, vous êtes à côté. De Sabrina. D'une jeune femme courageuse, Sabrina. Parlez-moi de Sabrina. Parlez-nous de Sabrina. Sabrina, c'est la belle rencontre de mon année 2007. On s'est rencontrés il y a un an et Sabrina est atteinte de mucoviscidose. C'était juste avant la mort de Greg. On est restés très proches pendant un an et le 10 novembre, tu es venue sur le plateau de la Starac.
Et bah on s'est vu dans les entra, enfin pendant l'entracte, enfin la pub, etc. Et à 23h50, j'avais un message en disant voilà, l'hôpital a appelé, il y a une greffe qui est là. Et elle est partie, elle était toute pimpante et tout. Et à 2h30, tu m'as envoyé un texto et tu m'as dit j'ai peur, mais je suis là, je pense à mon fils, je vais être greffée. Et t'es restée 10h et t'as été greffée et t'es là avec nous. Et voilà, c'est un merveilleux message d'espoir. Merci Sabrina, Alexandre Petit, la com de TF1 et toute la bande vous salue. Même quand on a la mucoviscidose, on peut faire des enfants. Et on doit faire des enfants jusqu'au bout. L'idiota, tout à l'heure, on fera un petit point sur ce que c'est le don d'organes. C'est encore tabou dans plein de pays, mais il faut donner jusqu'au bout quand on peut sauver une vie. Parce que la greffe de poumon, c'est le seul espoir, mesdames et messieurs, qui reste aux malades. Aujourd'hui, encore, il n'y a pas assez de donneurs, on ne va pas se mentir. Il y a trop de jeunes qui sont atteints de la muco comme Grégory et qui meurent. Sabrina est une jeune maman de 26 ans. Il y a deux mois, à cause de la mucoviscidose, elle vivait encore sous assistance respiratoire. Mais début novembre, elle a été greffée des poumons. Depuis, elle sourit de nouveau à la vie. On se couche avec des poumons complètement foutus et à moitié asphyxiés. Et deux jours après, on sent déjà la différence. Et voilà, aujourd'hui, bah, je respire, j'ai plus de tuyaux d'oxygène. Quand je fais mon lacet ou quand je parle, je ne suis plus essoufflée. Voilà, je revis, c'est magnifique. Franck, qui a bien connu Grégory, a quant à lui été greffé il y a un an. Bilan plus que positif. Un an après, j'ai repris les études et le travail en alternance. Et je fais du sport, je vais à la piscine comme tout le monde, je sors en boîte comme tout le monde, je revois mes amis, je peux me déplacer de nouveau dans toute la France et étranger. Le but de la greffe, c'est vraiment de retrouver une vie normale, une autonomie dans la vie, ne plus dépendre de personne, dépendre uniquement de soi-même, et ça, c'est un réel bonheur. Cette liberté, Stéphane, 33 ans, a lui aussi très hâte de la retrouver. Sous oxygène, 24 heures sur 24, il est en attente de greffe depuis 6 mois. Pour appeler un chat, c'est la seule façon de survivre, hein, en fait. J'ai tout simplement envie de reprendre une vie toute bête, normale, pouvoir marcher, sans m'essouffler, faire mes courses, aller en vacances, enfin j'en sais rien, des trucs tout bêtes, mais que quand on est en attente de greffe, on ne peut plus quasiment faire. Si aujourd'hui, Franck et Sabrina peuvent vivre presque comme tout le monde, c'est qu'ils ont bénéficié d'un don d'organes. Un don de soi encore trop peu fréquent. Si vous arrivez à un malheur dans votre famille, il faut y faire face et prendre le pas de donner les organes. Savoir qu'on, virtuellement qu'on peut sauver des vies, si jamais on part, c'est quand même un sacré cadeau. J'espère que la famille de mon donneur est fière et même si on se connaîtra jamais. Mais moi, en tout cas, en tant que maman, s'il arrivait quelque chose à mon enfant, eh ben, je donnerais sans hésitation. Parlez-moi de votre petit. Loès. Loès, il a 4 ans, il comprend très bien ce que sa maman a. Et il voit déjà un grand changement. Maintenant, il retrouve une vraie maman qui respire, qui peut jouer avec lui sans s'essouffler. Et voilà. Un mot, Olivier Autain, sur le don d'organes. Comme Sabrina, plusieurs patients attendent aujourd'hui des poumons, oui, une greffe. On a vu l'exemple de Stéphane dans le reportage. Je voudrais juste saluer Franck, qui est quelque part dans le public, je ne sais plus où exactement, mais je l'embrasse très fort. Aussi. On le voit, Franck Bocard. On sait tous que suite au départ de Grégory, il y a eu un élan de générosité formidable sur les cartes de donneur, mais on sait tous que ça ne suffit pas, qu'il faut en parler autour d'une table, dans les salons, dans les salles à manger, en famille, il faut en parler. Et on va se battre aussi pour que le don d'organes soit une grande cause nationale dans les années à venir, parce que c'est très très important d'en parler, toujours et encore. Faut briser le tabou, hein, Pierre, faut briser le tabou. Au-delà du don d'organes, c'est en règle générale le don de soi. Et là, on a énormément d'exemples, j'en ai un qui me vient à l'idée avec Aurélie, que j'ai suivi de loin et même de près du côté de Bruxelles, que j'embrasse très fort, et puis plein d'autres qui sont comme ça, j'en profite pour... remercier tous les Suisses et les Belges. Merci aussi. Avec merci ça. Pierre, on les remercie aussi. Parce que Grégory restera pour tous un exemple de courage face à la maladie. On a juste envie de lui dire merci. Merci mon pote. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as donné.
pour tout ce que tu vas apporter grâce à ton association et à tes parents, à tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose. Chaque euro donné ce soir, mesdames et messieurs, est une pierre à l'édifice, parce que grâce à vous, ce combat continue ce soir. 3280 numéro de téléphone, www.tf1.fr par internet. Un grand merci aux artistes qui ont rendu hommage à Grégory, parce que le show continue sur la scène de la Starac avec une chanson prémonitoire de Freddie Mercury. The show must go on. Grégory l'avait chanté ici pour sa dernière présence sur le plateau avec Patrick Bruel. Mais le spectacle continue sur la scène, sur la comédie parfois tragique de la vie que nous menons tous. The show must go on. Allez. Guess we know. Le spectacle doit continuer. Le spectacle doit continuer, mesdames et messieurs, parce que la vie en vaut la peine.
Un grand merci à la promotion 7 de la Star Academy, aux artistes. Patrick Fiori, vous avez vu le final de Patrick, comme il envoie. Un grand merci à Nolwenn Leroy, à Karima, à Harlem, Oda, Radia, Nolwenn Leroy, David Esposito, Patrick Fiori, Emmanuel Moir, la belle Hélène Segarra, Gérard Lenormand qui dans un instant chantera pour le final, Julie Zenati, tous les élèves de la Star Access, tous les bénévoles qui sont au standard de téléperformance toute la soirée pour décrocher. 3280 numéro de téléphone jusqu'à minuit, vous pouvez téléphoner jusqu'à minuit, on peut aller encore plus loin. Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on approche des 5 millions d'euros ce soir, Mathieu Vergne, Régie? Nous venons juste, mesdames et messieurs, de dépasser les 5 millions d'euros. Karine, Pierre, Laurence, Leslie, Olivier Autin, Alexandra Joubert, Sabrina, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Centre scène avec moi. Regardez le public, regardez, on passe une soirée exceptionnelle. Un concentré de vœux. Tout ce que vous nous avez donné, mesdames et messieurs, nous vous le rendons avec amour ce soir. On vous souhaite le meilleur pour Noël qui vient de passer, pour le jour de l'an qui arrive. Tous nos vœux de gratitude, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est une Star Academy exceptionnelle. Ce soir, je voudrais m'adresser... Grégory. Ce soir, le mot de la fin, il est à vous. Il est à vous parce que... Nikos, avant de... Je vais laisser le mot de la fin à... À maman. À maman. Je voudrais juste remercier tout le monde et remercier Rafi, Kamel, Pascal, Passy, Yvan... Mathieu derrière, qu'on voit pas beaucoup, mais qui... Mathieu Gonnet. Et... Il est ému ce soir, Mathieu. Également Jasmine qui nous regarde derrière son écran, qu'on embrasse très fort. Et tout le monde qui travaille derrière, c'est absolument fabuleux. Puis vous, les artistes, merci d'être là. Merci la Starac 4 et tous les autres de la Starac 4 qu'on salue. Merci à tous. Et je répète, aidez-les à vivre. Aidez-les à vivre. Moi, je voudrais ce soir un mot. Un mot avec maman, avec Laurence. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que si on est là ce soir, si ce petit bonhomme a déployé les ailes et qui nous fait encore rêver aujourd'hui, qui nous donne comme ça de la force et de l'énergie, c'est parce que Laurence l'a mis au monde. Elle l'a vu partir. Applaudissez du fond du cœur cette femme. Rien ne pourra la consoler si ce n'est que Grégory est avec nous ce soir. Il est avec nous, hein? Oui. Mais je voudrais, à travers nous, moi je voudrais avoir une pensée pour tous les parents qui sont comme nous, qui vivent cette souffrance au quotidien. Et plus récemment, je voudrais adresser vraiment du fond de mon cœur tout mon soutien aux parents de la petite Lucille qui est partie rejoindre Grégory il y a très peu de temps. Elle n'avait que 12 ans. Elle est partie la veille de Noël. Et puis, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour que plus jamais ça arrive. Il y en a marre qu'on nous arrache nos enfants. Il n'y a pas plus terrible. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui restent qu'il faut vraiment y croire, qu'on est là pour vous, qu'il y a plein de gens qui vous soutiennent, qu'on va y arriver, je vous l'assure. Alors surtout, ne baissez pas les bras. On va y arriver. Et pour terminer... Je voudrais remercier M. Gérard Lenormand. Il est là, Gérard. Il n'a pas dit un mot encore depuis le début, mais il est là. Il est modeste, il est humble, il est fidèle. Il a une carrière extraordinaire. On l'aime, on l'admire. Parce que... Mais il est là généreusement. Parce que M. Lenormand, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'il aide le combat contre la mucoviscidose. Il répond toujours présent dans l'ombre. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort ce soir. Et pour terminer,
je voudrais, il va vous offrir une de ses plus belles chansons que j'ai découvertes très récemment. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette chanson. Écoutez les paroles. Cette chanson, elle nous a guidés, ça s'appelle « La force d'aimer ». C'est un message que je voudrais vous faire passer. C'est ce qui nous a guidés pendant toute notre vie avec Grégory. Et aujourd'hui, je suis sûre que c'est le message que Grégory voudrait vous faire passer. Avec l'amour, on peut soulever des montagnes. On peut tout faire. L'amour est plus fort que tout. Et je peux vous assurer que l'amour est même plus fort que la mort. Parce que mon fils, notre fils, son chéri, son frère, eh bien, il est toujours vivant avec nous. Et il est toujours là, Grégory. Gérard Lenormand qui soutient la cause des malades de la mucoviscidose depuis plus de 20 ans, chante La force d'aimer. Et c'est vrai que nous l'entendons. Hein, Gérard, évite. La force d'aimer. Moi, si je peux dire juste un petit bien mot. Bien sûr, Gérard. On oublie souvent de remercier les gens qui nous reçoivent parce qu'on a l'impression qu'ils font partie des meubles. Je voudrais remercier TF1, je voudrais remercier votre émission et vous tous, vous les artistes aussi. Parce que je réalise une chose. Moi, depuis 20 ans, on me bat auprès d'eux. Jamais, je pense, nous n'avons obtenu un tel résultat que celui que vous nous offrez ce soir. D'abord, la participation de millions, de millions, de millions de gens. Et puis, c'est vrai que nos caisses sont toujours vides, car dès que ça rentre, ça ressort. Et il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, on foute cette saloperie dehors. Voilà. On va la faire grâce à vous, mesdames, messieurs. De l'avance. Edvant, je ne sais pas comment vous êtes de millions à nous regarder ce soir, mais je voudrais vous dire que TF1, que Endemol, que Universal sont des gens extraordinaires, qu'ils nous soutiennent depuis le début. Et vraiment, merci à vous tous, parce que moi, je sais, on sait tous que vous êtes avec nous et que vous êtes vraiment des gens bien. Merci, Nikos. Allez, Greg, merci. C'est pour toi. On va se quitter avec Quentin, qui est en larmes, derrière Hélène Segarra. Mais c'est pas grave, pleurer, c'est noble de pleurer. Venez, 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 venez avec moi, tout le monde au centre, venez avec les gens, avec le public, parce que sans les gens, on n'est rien. Venez tout le monde, Pierre, les artistes, allez. La force d'aimer, Gérard Lenormand, merci d'avoir été avec nous ce soir. 32,80 jusqu'à minuit, et même encore après minuit, sur internet www.tf1.fr ou association grégorylemarchal.fr.com, pardon. On vous attend. A tout de suite. C'est parti. Allez ! Que se lève encore la force, que la sève sous l'écorce se réveille, se révolte et réamorce de gré de force la force d'aimer. Le rêve toujours l'emporte, et que se taise et cloporte ceux qui ont condamné leur porte, qui colportent qu'elle est morte, la force d'aimer. C'est la force de toutes les mères, la folie dont on est fier, la force d'aimer. C'est la force qui dérange tous ceux qui ont peur que les choses changent. Peur de perdre, peur de vendre, peur que les cours des choses changent. La force d'aimer. Force noble de la lumière, que rien n'éprise, rien n'altère. Source neuve et légendaire qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. La force d'aimer. C'est de la pub sans affiche, la pudeur que l'on affiche, la force d'aimer. Waouh, il neige des flammes, soleil de l'âme. Waouh, il sert, il
que se lève encore le souffle des poètes, des sans-ressources, et que la fièvre encore les pousse hors des contraintes qui étouffent la force des métiers. On enterre les montagnes de ces affaires à qui perd gagne, et que les coquins de cocagne tombent enfin tous ceux qui bradent la force d'aimer. Si la force de ceux qui en veulent, c'est ton destin qui t'engueule, la force d'aimer. Faut-il jouer les Don Quichotte contre ces moulins où flottent ces drapeaux d'indifférence qui te disent tais-toi et danse? Est-ce qu'il faut prendre les armes d'une prière ou d'une larme? Faut-il brandir l'oriflamme des mal-aimés? Faut-il que Dieu redescende de son ciel ou de ses cendres? Faut-il attendre qu'elle se vende la force d'aimer? Waouh! Se lève encore la force, que la sève sous l'écorce se révèle, se révolte, que le rêve toujours l'emporte, et que se taisent les cloportes, ceux qui ont condamné leur porte, qui colportent qu'elle est morte. C'est la force qui dérange tous ceux qui ont peur que les choses changent, peur de perdre, peur de vendre, peur que le cours des changes change. Force noble de la lumière, que rien ne puise, que rien n'atterre. La source neuve et légendaire qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. La force, la force, la force, Grégory, la force, la force, la force d'aimer. La force, Gérard Lenormand, la force. La force, Quentin. Mesdames, messieurs, nous sommes à 5 200 000 euros. Merci à tous du fond du cœur. Merci. 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 32,80 jusqu'à minuit. Merci.